Aujourd'hui, donc, c'est le Rallye des Vallées à Remiremont dans les Vosges. Contrairement au Rallye de Lorraine que nous avons suivi il y a un mois et demi, c'est un rallye régional. Rallye Lorraine est un rallye national. Ce qui les différencie, c'est beaucoup plus court, c'est plus un sprint. Et après, effectivement, ça sera la ligne droite vers l'Alsace, en espérant qu'on y prenne le départ. Je sais qu'il y a une polémique, il y avait une polémique là. Normalement, nous, locaux, ils ne voulaient pas nous faire rouler en rallye. Bon. Pourquoi? Parce que les Alsaciens connaissent trop bien les routes du coin ou... À mon avis, ça doit être un peu ça. C'était un petit peu aberrant parce que quand tu fais des rallyes du championnat du monde dans les autres pays, les locaux, ils roulent. Il y aurait pour l'instant 7 noms. Bon, il y a quand même plus que 5 qui veulent s'engager à un rallye comme ça. Bon, le problème, ce qui se passe, c'est qu'ils font des formules de promotion. Tu auras la formule Renault, du moins Clio R3, tu auras la coupe Citroën et tu as la coupe Suzuki Swift. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a que 70 voitures au national, hein, et au WRC également pareil. Alors, c'est-à-dire que quand tu prends les 70 voitures, t'as, dans les coupes, ils sont plus que on sera au-delà de 70 si tu prends les 3 coupes mélangées. Hein, et tu n'as plus de place pour nous. Effectivement, il n'y a que tant et tant de places, 70 places en grand national. On verra cette semaine si on prend le départ, mais j'espère qu'on pense quand même aux pilotes de la région. Mais là, j'ai eu une confirmation que c'est bon. Un petit peu. Un grand Jack et je vais voir. On verra bien. Ça descendra après. Merci. Bonjour. 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 Et on a refait donc une révision basique moteur, en l'occurrence tout ce qui est distribution, tout ce qui est pièces mobiles, pour être sûr que ça ne casse pas. Et on tente l'expérience d'un nouvel embrayage. Voilà, donc Jonathan m'a appelé il y a quelques semaines donc, pour que je roule avec lui sur ce rallye, sachant que Marine était indisponible aujourd'hui. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté cette proposition. Le problème quand on a des gens qui sont des compétiteurs comme Jonathan, c'est de trouver l'équipe qui soit en parfaite symbiose et surtout un navigateur qui est l'ascendant, qui sache le recadrer. Je vous ai dit, c'est le gauche à Philippe, Weiss. Ouais. Là, il est quand même bien con. Il ne faut pas rentrer trop tôt dans celui-là, il faut rester assez... Et après, il faut relancer dans le droit à fond, ouais. Et le carrefour un peu plus vite que tout à l'heure, on va voir, on va essayer. En matière de sport auto, c'est la petite faute pendant une spéciale. Et le pilote qui monte en pression veut la rattraper dans la foulée. Et c'est là où on sort la voiture. Donc c'est là aussi où on a souvent les gens du mal à comprendre quand on leur explique que le rallye est un sport d'équipe. Il y a toute l'équipe qui va autour, qui cherche les budgets, qui entretient la voiture. Ça, c'est un détail. Mais là où on parle vraiment d'équipe, c'est le pilote et le navigateur. Un exemple type, notre champion du monde, qui est un des rares pilotes à avoir gardé un navigateur aussi longtemps. Parce qu'il y a cette équipe parfaite, cette symbiose, et surtout le navigateur qui est là pour canaliser, je dirais, cette énergie déferlante des pilotes qui vont vite. C'est vrai que confiance mutuelle, hein, confiance totale. S'il me dit ça à fond, je reste à fond. Hein. Même si je doute, hein, ou des fois il m'engueule. Alors des fois j'arrive sur des freins là, je me dis, tu pourrais freiner plus tard encore, tu pourrais freiner plus tard, il y a encore de la marche. Mais je me dis que si on n'arrive pas à s'arrêter, on est dans les arbres. Les repérages, on les fait avec la voiture, notre voiture personnelle, pour la prise de notes. De toute façon, on est un petit peu, on est limité par les vitesses réglementaires, c'est-à-dire 60 et 90. Donc y a pas, à ce niveau-là, il n'y a pas de voiture de course, malheureusement. 50 mètres. Gauche, 100. Aux maisons. Au chafon, sur droite, à fond, sur gauche frein, droite, gauche, pardon, gauche, 95, ouvre à fond, sur droite, à fond, 50 mètres. Bosse, gauche, 120, sur droite, sur épingle droite,
On va aller regarder ce qu'il y a sur le côté. Parce que s'il y a des cailloux dans la corde, ça c'est bon pour une crevaison. Parce que ça c'est bon pour crever un pneu. De toute façon j'espère qu'ils vont, ils mettront peut-être des... Tout le monde voilà la corde. Ça c'est bon pour... Ouais. À mon avis, ouais. Alors tu mets pas à corde. Ouais. Dans la note tu rectifies pas à corde. Ouais. Ok, okay. On continue, ouais. On y va. C'est très important pourquoi il y a Jean-Bernard qui me donne donc des notes qui sont très précises pour au moment de la course avoir les bons degrés de virage. Pourquoi ? Parce que les notes sont données en degrés. Donc les épingles c'est en gauche 90, les virages qui passent plus vite ça peut être des droites 130, 120. Donc il est hyper important que je garde ces notes et puis que je lui donne au moment de la course vraiment dans les spéciales. Et il est hyper important d'être fiable là-dessus. Ce qui est important dans la préparation du rallye, c'est de prendre de bonnes notes pendant les reconnaissances, mais c'est aussi de revisionner le parcours, comme ici sur des spéciales qui ont été faites l'année passée, avec un autre pilote ou soi-même selon si on a fait le rallye ou pas. Et ça nous permet d'avoir des automatismes, de voir les pièges, de voir les conditions non route, ce qu'on peut avoir au niveau grip. Et donc moi je sais que je travaille pas mal avec ça. Après les reconnaissances, je filme les reconnaissances et je revisionne entre 2 et 5 fois la spéciale, voire plus si j'ai le temps, avant le rallye, avec ma copilote souvent qui m'annonce les notes. Et comme ça on se cale, on voit où c'est qu'il va y avoir pas mal de notes à la suite pour être au top du top le jour de la course. On va faire le check des affaires pour ce week-end. La combinaison. Le haut inifugé. La cagoule inifugée, c'est ok. Les chaussettes. Et les sous-vêtements inifugés. Le casque, ok. Le système ANS. Et la radio. Ça, c'est le KW pour la pluie.